Donc, il est 13h, je vous propose de commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce séminaire du COFER consacré à la maladie du Pitrin. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir Jérémy Bayet avec nous. Donc, Jérémy est un jeune rhumatologue, il était interne il n'y a pas si longtemps et qui vient de monter une structure dans le centre de Paris avec donc très moderne, avec donc plusieurs personnes bien connues, dont le plus ancien, Henri Lelouch, qui a été un des leaders pour le développement de techniques de la prise en charge de la maladie du Pitrin, soit d'autres techniques comme ça percutanées. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est intéressant d'aborder cet aspect de la rhumatologie que finalement on voit peu à l'hôpital et qui, par contre, grâce à ces gestes simples qui vont être faits par les rhumatologues, permettent d'améliorer grandement les patients. Donc, vous n'hésitez pas à poser des questions. Je surveillerai donc l'apparition de vos questions et Jérémy éventuellement pourra les regarder un peu et on y répondra à la fin de la présentation de Jérémy. Donc, Jérémy, je te laisse le micro. Ben, merci beaucoup, professeur, et puis merci au COFER de m'avoir donné l'opportunité de vous parler de la maladie du Pitrin. C'est vrai que c'est quelque chose qui est peu connu, malheureusement, en tout cas en concernant le traitement, et on se bat beaucoup pour que les rhumatologues s'approprient vraiment la technique à l'aiguille et que ça reste vraiment dans le giron de la rhumatologie interventionnelle. Donc là, pendant les 30 prochaines minutes, on va parler donc de la maladie du Pitrin. Est-ce que ça marche? Voilà. Alors, juste quelques mots d'introduction et d'historique. Il faut savoir que la maladie du Pitrin, elle a été décrite par le baron du Pitrin. En 1831, le baron du Pitrin était le chirurgien de Napoléon III. En fait, c'est un petit peu anecdotique, mais il s'est aperçu que son cocher avait les doigts qui se rétractaient. Donc, il a posé comme postulat que les gens qui avaient un travail physique, les mains fermées, de serrage, étaient à risque. Effectivement, c'est le cas. Et puis, deuxième observation, c'est sur son caviste. Et donc, ça a fait, entre guillemets, beaucoup de mal à la maladie du Pitrin parce que la maladie du Pitrin a été rapportée en fait, aux patients qui étaient alcooliques. Donc on verra, heureusement ce n'est pas que ça, mais pendant longtemps ça a été une maladie un peu honteuse et peut-être que ça a aussi retardé sur le diagnostic de certaines formes et de leur prise en charge. Alors le baron du Pitrin a décrit la maladie du Pitrin comme une rétraction fibreuse de la peau névrose palmaire moyenne qui va être responsable de la flexion progressive et surtout le point sur lequel il faut insister, c'est que c'est une flexion qui est irréductible d'un ou plusieurs doigts. C'est une pathologie qui finalement est assez fréquente, puisque vous le voyez, dans la population française, on a une prévalence qui peut atteindre jusqu'à 10%, nette prédominance chez l'homme avec un sexe ratio de 5 pour 1, et c'est généralement l'homme d'âge mûr, on va dire, qui développe des maladies du Pitrin. Les causes sont mal définies, probablement multifactorielles, avec une part génétique importante. Ça, on va revenir dessus parce que c'est aussi rigolo de voir d'où vient la maladie du Pitrin. Il y a une association avec certaines pathologies et troubles métaboliques comme le diabète, certaines toxiques comme le tabac et l'alcool, mais j'insiste sur le fait que l'alcool, faut être alcoolique à fort degré avant de développer une maladie du Pitrin. Certains médicaments, des traumatismes, alors on peut voir des maladies du Pitrin, notamment suite à une immobilisation plâtrée par exemple. Et puis certaines professions à risque, notamment les travailleurs manuels, je pense à ceux avec des vibrations répétées, donc les travailleurs de chantier qui utilisent marteau-piqueur et ce genre de choses. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on retrouve un certain nombre de facteurs de risque qui est commun, vous l'aurez remarqué, avec des pathologies qu'on voit en rhumatologie, à savoir l'algodystrophie ou la capsulite rétractile. Alors, je reviens sur ce côté génétique parce que c'est un petit peu d'histoire et c'est toujours drôle et vous pourrez le dire à vos patients. La maladie du Pitrin, en fait, elle semble nous venir des Vikings. Donc, déjà, sur le phénotype de vos patients, souvent, vous verrez qu'ils ont un phénotype dit clair avec la peau claire, les yeux clairs. Et la prévalence de la maladie du Pitrin, eh bien, elle prédomine nettement dans les pays nordiques, que ce soit la Norvège, la Suède et l'Islande. Et puis, en fait, partout où ont été se balader les Vikings, et on sait qu'ils ont été des navigateurs aguerris et qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de voyages en mer, et bien, partout où ils ont accosté, en fait, ils se sont reproduits et on retrouve des petits îlots de maladie du Pitrin avec une prévalence qui est augmentée.
qu'est-ce que ça donne en France? Eh bien, c'est tout aussi rigolo parce qu'on voit beaucoup de patients qui viennent, bien évidemment, des côtes normandes et bretonnes, mais également tout le long de nos fleuves, en fait, on retrouve des petits îlots de maladies du Dupuytren. La physiopathologie est mal connue encore aujourd'hui. Néanmoins, il semblerait qu'il y ait un rôle primordial des myofibroblastes. Cette maladie du Dupuytren évolue en trois phases. Une phase initiale, vous allez retrouver cliniquement des nodules, c'est-à-dire des petites boules dans le creux de la main qui sont indolores. Puis vient une phase intermédiaire où on voit se dessiner la corde et pas encore de rétraction. Et la phase tardive qui est la phase de rétraction avec une flexion irréductible du doigt comme vous pouvez voir ici sur le quatrième rayon. Donc finalement, on a souvent, comme c'est le cas en pathologie et en rhumatologie, un certain nombre de facteurs de risque, un terrain particulier, et puis il peut y avoir à un moment un facteur déclenchant, qui pourrait être par exemple un traumatisme, quel qu'il soit, et le patient va développer une authentique maladie du Dupuytren. Le diagnostic de la maladie du Dupuytren, c'est facile, c'est comme la capsulite rétractile, c'est clinique. Et pour cela, il faut reconnaître les lésions élémentaires, donc on en a déjà vu dans les diapositives précédentes, avec les nodules palmaires, la corde aponevrotique, puis vient le dernier stade de fibrose irréductible des doigts. J'insiste sur le fait que la maladie du Dupuytren est une maladie indolore. Alors, c'est vrai dans 99% des cas, mais retenez que c'est indolore. Le 1% où on aura des Dupuytren qui seront douloureux, c'est soit parce qu'ils auront déjà été traités, soit parce que le nodule de fibrose va aller se localiser dans des endroits un peu plus atypiques, et notamment dans les poulies digitales. La maladie du Dupuytren va toucher préférentiellement le quatrième et le cinquième rayon, puis le majeur, le pouce et de manière très anecdotique, l'index. Il y a une association qui est assez forte entre maladie du Dupuytren et d'autres pathologies qui sont la maladie de l'aide-rose, la maladie de la péronie ou alors les knuckle pads. Et on va revenir sur ces différentes associations un petit peu plus tard dans la présentation. Alors voici une maladie du Dupuytren avec, vous pouvez le voir, cette rétraction du quatrième rayon avec une belle corde palmaire qui se dessine là dans le creux de la main et qui vient sur tout au long du doigt, entraînant cette flexion irréductible du doigt. Quelques autres exemples, et vous le voyez, c'est ça qui est merveilleux dans la maladie du Dupuytren, c'est qu'il y a autant de formes de maladie du Dupuytren que de patients, avec donc des formes qui sont très variables, qui peuvent être une atteinte palmaire simple, vous voyez la corde ici, une atteinte digitale simple, ou alors une atteinte palmo-digitale, comme on peut voir ici. Et tout ça fait la beauté de la maladie du Dupuytren, et ce qui rend aussi excitant le traitement, c'est que le traitement va être différent en fonction de chaque patient. Je reviens sur la maladie de l'aide-rose. C'est une maladie qui a été décrite en 1894 par Monsieur l'aide-rose et qui donne cette fibrose de la ponévrose plantaire superficielle avec l'apparition de ces nodules, de ces boules douloureuses dans le creux du pied. Alors, je dis boule douloureuse parce que souvent, on fait le diagnostic quand le patient se plaint de cette boule, disant « ça me fait mal ». Mais comme pour la maladie du Dupuytren, dans les stades au moins débutants et dans les stades peu compliqués, s'il n'y a pas d'appui sur ce nodule de fibrose, il ne fait pas mal. Il y a une association dans 2 à 3% chez les patients souffrant d'une maladie du Dupuytren. La maladie de la péronie, que vous connaissez bien également, c'est ce qui donne l'érection coudée avec des nodules de fibrose sur la verge qui sont le plus souvent peu gênants puisqu'on a d'abord le nodule et l'érection coudée vient secondairement. C'est une maladie qui a été décrite par Monsieur de la Péronie au XVIIe siècle et qu'on retrouve préférentiellement en Allemagne, dans les pays anglo-saxons, finalement beaucoup moins en France et qui s'associerait en tout en France à 1% des maladies du Dupuytren. Alors j'attire votre attention sur le fait que très probablement on sous-estime la maladie de la péronie en France parce qu'on a encore un rapport entre les patients et le médecin qui n'osent pas dire qu'ils ont ce nodule et ces érections coudées, soit parce que par pudeur, soit parce qu'ils pensent que ça n'a rien à voir. Ils viennent vous voir avec leurs mains et leurs doigts qui seraient intacts et ils ne pensent pas à vous parler de leur verge qui donne une érection coudée. Donc c'est toujours important et à garder à l'esprit lorsqu'un patient se présente pour une maladie de Dupuytren, posez-lui toujours la question, à savoir est-ce que vous n'avez pas des boules sous la plante des pieds ou est-ce qu'il n'y a pas d'érection coudée, et vous pourrez vraiment leur rendre service en faisant des dépistages précoces parce qu'il y a des prises en charge possibles.
Enfin, la dernière association qui est intéressante et dont je vous parlais, ce sont les knuckle pads. Vous avez des photos ici avec, donc, ce sont ces petits nodules qui sont relativement mous, qui se développent en regard des plis d'extension des interphalangiels proximales et qui généralement, donc, qui sont indolores et qui ne vont pas gêner le patient, sauf quand ils vont prendre un volume un peu trop important. Et surtout chez les femmes qui mettent des bijoux comme les bagues, bah, elles vont dire quand je mets ma bague, j'irrite la peau ou bah, j'arrive tout simplement pas à mettre ou enlever ma bague. 10 à 20% de la population des pays nordiques est porteuse de ces knuckle pads. En France, on est à peu près à 3%. Et vous voyez que selon les études, on a jusqu'à 80% d'association entre knuckle pads et maladie du Dupuytren. Et là encore, si un patient se présente avec, avec ces knuckle pads en consultation, n'oubliez pas de retourner sa main parce que dans près d'un cas sur deux, bah vous dépisterez une maladie du Dupuytren, souvent à un stade très précoce, c'est-à-dire que le patient ne s'est même pas aperçu qu'il a un petit nodule dans le creux de la main. Et vous lui rendrez service parce que vous pourrez lui dire écoutez, c'est une maladie du Dupuytren débutante qui s'associe, on surveille et si un jour on doit vous traiter, ben on vous traitera tôt et ça permettra de garder la main ouverte et d'éviter une chirurgie qui peut être, on va le voir plus tard, un peu invasive et délabrante. La sévérité de la maladie du Dupuytren, elle s'évalue avec la classification de Toubiana, en fait, qui est une échelle assez simple, qui va mesurer l'angle de flexion des articulations, que ce soit la métacarpophalangienne ou l'interphalangienne proximale, des stades qui, donc, avec les degrés de flexion, vous voyez que le stade 1, c'est 0 à 45 degrés, puis c'est assez simple, en fait, par tranche de 45 degrés, on augmente le nombre de stades jusqu'au stade 4, où vous avez quasiment une flexion à plus de 135 degrés du doigt, et donc vous vous rendez compte que ça peut être très invalidant dans la vie de tous les jours. Alors, je vous l'ai dit, la maladie du Dupuytren ne nécessite pas d'examen complémentaire pour faire son diagnostic. Néanmoins, est-ce que ça veut dire qu'on doit se passer et on peut se passer de tout examen complémentaire? Eh bien, probablement que non, même si c'est encore un petit peu, je dirais, sous-développé, l'échographie semble avoir un intérêt. Alors, d'une part, pour dans les rares cas où il y a une maladie du Dupuytren qui est douloureuse, puisqu'on va permettre de préciser où est la corde et notamment le nodule. Et si ce nodule, je vous en parlais tout à l'heure, est enchâssé dans la poulie A1, par exemple, la maladie du Dupuytren peut être douloureuse. Mais autre élément intéressant avec l'échographie, c'est qu'on va pouvoir faire un screening pré-traitement, pardon, et notamment aller repérer les rapports entre la corde aponevrotique et un rameau nerveux interdigital, évaluer s'il n'y a pas une corde spiralée qui pourrait, je dirais, compliquer le traitement à l'aiguille. Le traitement, on y vient. Faut-il traiter toutes les maladies du Dupuytren? La réponse est non. Et on a un test assez simple qui a été décrit, qui est le test de la table. Donc là, vous avez une main complètement normale. Vous voyez que le patient arrive à mettre sa main complètement à plat, alors que sur l'autre côté, en fait, vous avez une main qui ne peut pas se poser à plat, avec incapacité en fait de relever les doigts de la table. Donc, c'est un test que vous pouvez faire très facilement en consultation. Vous demandez au patient de poser sa main à plat sur la table et vous essayez en fait de resoulever le doigt par une traction manuelle. Si le doigt reste bloqué sur la table, c'est que s'il y a finalement suffisamment de traction et il y a une indication à traiter. Si ce n'est pas le cas, s'il y a encore de la souplesse, il faut dire au patient je vous surveille et puis peut-être qu'un jour on traitera, mais ce n'est pas obligatoire. Aujourd'hui, il y a trois types de traitements essentiels, principaux, on va dire, dans la maladie du Dupuytren. Deux qui sont médicaux, à savoir la collagénase avec le Xiapex. J'ai choisi de ne pas particulièrement m'attarder sur ce traitement parce que ça reste une niche, on le fait très peu en France, un petit peu plus dans les pays anglo-saxons et germaniques. On fera la part belle à la ponévrotomie percutanée à l'aiguille. Et enfin, je vous donnerai quelques notions de traitement chirurgical avec la ponévrectomie. Je vous propose cet arbre décisionnel pour la prise en charge de la maladie du Dupuytren. Donc, le test de la table dont on vient de discuter, soit le test de la table est négatif et dans ce cas-là, on dit au patient « je vous surveille », soit le test de la table est positif et en France, en tout cas, on préconise en première intention de faire un traitement à l'aiguille.
Ensuite, deux cas de figure, soit le traitement à l'aiguille n'est pas suffisant, est en échec. Dans ce cas-là, on oriente le patient vers un chirurgien pour faire une aponevrectomie. Soit on a des formes de Dupuytren qui, après traitement à l'aiguille, récidivent de manière, je dirais, rapide, précoce et extensive. Et dans ce cas-là, ça vaut le coup de prendre l'avis du chirurgien pour demander si on n'est pas dans les limites du traitement à l'aiguille et s'il ne faut pas qu'il y ait une prise en charge chirurgicale. L'aponevrotomie, qu'est-ce que c'est? Bah déjà, il faut dire que c'est une technique qui est née en France. C'est Jean-Luc Lermuzio en 1972 qui, le premier à la Rivoisière, décrit cette technique qui consistait à disséquer à l'aiguille les nodules et les cordes du Dupuytren. Alors, c'était un petit peu confidentiel au départ. Ça se faisait, on m'a raconté, dans les sous-sols de la Rivoisière, avec des injections de corticoïdes qui étaient faites un petit peu sous pression dans les cordes aponevrotiques jusqu'à ce qu'un jour, il y ait une corde qui lâche. Et étonnement de Jean-Luc Lermuzio, mais également du patient, qui se sont demandé s'ils n'avaient pas fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais le patient était ravi parce que sa main était ouverte. Et c'est comme ça, finalement, qu'est née la technique. Le terme d'aponevrotomie, il a été proposé par le docteur Badois un petit peu plus tard. Et puis, c'est vrai que c'est beaucoup à partir de la fin, milieu des années 90, qu'il y a une école à la Riboisière qui s'est créée et il y a eu une véritable organisation pour la prise en charge de la maladie du Dupuytren avec l'aponevrotomie à l'aiguille. Comment se réalise cette aponevrotomie à l'aiguille? On souhaite et on veut qu'elle reste simple, c'est-à-dire qu'elle soit accessible à tout rhumatologue, qu'il soit en ville ou à l'hôpital. Et donc, on n'est pas dans un bloc opératoire. On veut une salle dite propre, c'est-à-dire cette salle que vous utilisez pour réaliser des infiltrations, avec une asepsie pour le coup qui est stricte. On désinfecte en 5 temps, généralement avec une bétadine moussante, sérum physiologique, séchage, plus 2 temps de bétadine alcoolique ou dermique. On porte un masque, bon, de toute façon aujourd'hui avec Covid, tout le monde porte son masque, donc ça nous arrange, et on porte des gants stériles. Les outils utilisés sont très simples, puisque vous avez une aiguille sous-cutanée courte. Alors, ce n'est pas la même que celle qu'on a l'habitude d'utiliser quand on fait des infiltrations sous-cutanées ou dans des petites articulations superficielles, puisque c'est une aiguille qui est plus courte avec un biseau qui est particulier, puisqu'il est biseauté de telle façon qu'on arrive à couper, gratter ou piquer. C'est-à-dire qu'en fonction de l'angulation qu'on donne à cette aiguille, on va avoir un effet différent qui est tout à fait intéressant et qui nous permet de faire une sorte de prédécoupage qu'on appelle en timbre poste de cette corde aponevrotique. Le traitement se fait sous anesthésie locale et ce qui a été décrit à la Rivoisière, c'est qu'on mélange dans une seringue de 5 cc, on met 4 ml de xylocaïne 2% et 1 cc d'hydrocortensile, donc un corticoïde qui n'est pas du tout obligatoire. C'est-à-dire que si vous avez un patient diabétique, nous on recommande de faire le traitement avec de la xylocaïne pure et de ne pas mettre de corticoïde. Le corticoïde en fait a surtout un intérêt pour diminuer la réaction inflammatoire locale qui pourrait survenir liée au grattage, mais les résultats ne sont pas plus mauvais sans hydrocortensile. Donc ce n'est pas indispensable et chez un patient diabétique, on ne prendra pas le risque de décompenser son diabète. Alors, la première des questions qu'on se pose quand on fait un traitement à l'aiguille, c'est d'abord où est-ce que je vais mettre mon aiguille? Et alors là, c'est la première chose qu'il faut que le praticien apprenne. Et on va toujours privilégier d'avoir un abord qui soit proximal, tout simplement parce que le traitement est beaucoup plus simple dans la paume de la main. Et surtout, les éléments nobles, qu'ils soient vasculaires, nerveux ou tendineux, sont beaucoup plus profonds. Et comme vous avez vu qu'on a une petite aiguille, on a pas de risque quasiment de léser ces éléments nobles. La deuxième chose sur laquelle il faudra prêter son attention, c'est d'éviter d'aller placer son aiguille dans une zone où on voit une adhérence cutanée, parce que quand on va fragiliser et qu'on va faire une traction du doigt, s'il y a une adhérence cutanée, on a un risque plus important de brèche faite de déchirure cutanée. Et puis le traitement dans le doigt, bah, finalement, il doit être réservé aux praticiens un petit peu experts. Tout le monde ne le fait pas parce que pour le coup, on le reverra un petit peu plus tard, c'est plus compliqué en termes de gestuelle, mais plus à risque également du fait de la proximité des nerfs interdigitaux et des arcades vasculaires.
Donc, je vous l'ai dit, anesthésie locale. Ensuite, on garde la même aiguille qui nous a servi pour faire l'anesthésie et on vient faire une section des cordes aponevrotiques avec le biseau de l'aiguille, cette aiguille si particulière. Donc, ce sont des mouvements de fragilisation de la bride qui se font dans un plan transversal par rapport à la paume. La difficulté qu'on a également au début quand on apprend la technique, c'est de rester sous la peau puisqu'on a une aiguille qui est très courte. Et quand on est dans la corde, on a quelque chose qui est... On a l'impression d'avoir une aiguille dans une pierre ponte, donc on a quand même une certaine résistance. Et au moment où on va vouloir faire ces mouvements de poinçon, si on ne prête pas attention, et surtout au début quand on n'a pas l'habitude, on a un risque de sortir l'aiguille de la peau. Une chose, si ça vous arrive que l'aiguille sorte, vous rechangez d'aiguille. Nous, on a choisi de ne pas repiquer avec la même aiguille. Si vous êtes sorti de la peau, vous verrez que certains, peut-être, vous avez déjà vu que certains chirurgiens, en fait, même pour une anesthésie locale, utilisent la même aiguille. Ils font des anesthésies en point et sortent du plan cutané pour aller à un autre endroit. Nous, on préconise de ne pas le faire. Voilà ce que ça donne sur une image. Donc, c'est Jean-Paul Tessédou qui a fait ce beau schéma. Donc, ne vous méprenez pas, ce qui est en vert, ce n'est pas le tendon fléchisseur du doigt. Le tendon fléchisseur du doigt, il est en dessous, il est bien accroché par ses poulies digitales. Et donc, on vient fragiliser à l'aiguille la corde aponevrotique. Une fois qu'elle est suffisamment fragilisée, en fait, on vient tirer sur le doigt et on en tient une extension. Trois types de mouvements sont possibles avec l'aiguille. Donc, ce qu'on dit en multiponcture, un peu comme une machine à coudre, c'est-à-dire qu'on fait plein de petits points comme ça dans la corde aponevrotique. Un mouvement de grattage, un peu comme on le ferait avec une corde de guitare. Donc, on utilise le côté biseauté de l'aiguille et on fait un mouvement latéral en restant sous la peau pour gratter la corde. Et on fait également, il est possible de faire des perforations dites en étoile, le tout étant de rester sous la peau et de fragiliser la bride. Une fois qu'on a suffisamment fragilisé la bride, eh bien on vient faire une traction dans l'axe jusqu'à ce qu'on entende souvent un crack en fait, qui correspond à la rupture des dernières fibres de la corde aponevrotique, et on obtient le plus souvent une extension complète du doigt avec un étonnement et une joie du patient, et puis c'est toujours aussi satisfaisant pour le praticien. Alors voici une vidéo d'un patient que j'ai traité. Alors, la vidéo est un petit peu longue, elle dure 3 minutes 30, mais c'est pour vous montrer que c'est un geste qui est relativement rapide, parce que là, vous avez, entre guillemets, le geste du début à la fin. Donc, j'ai choisi un point de ponction, vous l'avez vu, comme on l'a décrit, qui est dans la paume de la main, qui est assez proximal. J'ai fait une petite anesthésie locale, et là, en fait, ce que je cherche, c'est à mettre de l'anesthésiant, à faire une dissection du plan sous-cutané pour obtenir un plan de clivage. Donc, je suis dans la corde aponevrotique, j'ai une sensation de pierre ponce, et avec mon autre main, je viens stabiliser la corde pour qu'elle reste bien sous l'aiguille, et je vais aussi faire des mouvements pour pousser cette corde sous mon aiguille. Vous voyez que moi, j'utilise, comme mon maître, le docteur Lelouch, qui m'a formé deux types de mouvements, les mouvements de poinçon et les mouvements de grattage, là, voilà, comme ça, là, comme une corde de guitare. Donc là, vous avez vu à peu près le principe. J'ai juste avancé un petit peu la vidéo parce que c'est pendant 2 minutes 30, c'est à peu près la même chose. Voilà, là, on est sur la fin. J'ai senti que j'ai... Alors déjà, sous l'aiguille, on a la sensation qu'il y a moins de tension, que la corde est moins tendue. Et puis, on a l'impression qu'on ne coupe plus grand-chose. Donc là, on est dans la situation où on se dit, ça y est, j'ai suffisamment fragilisé. Là, je viens tirer sur le doigt et on voit que hop, la peau se déplisse. Et qu'on obtient une extension complète. Voilà, on teste à la fin du traitement la flexion, l'extension du doigt, et le patient généralement vous dit c'est génial, votre truc c'est magique. C'est les mots qui reviennent le plus souvent et qui sont très gratifiants pour le praticien. Alors là, un exemple sur une forme qui était, on va dire qu'on est à un stade 2 de Toubiana, puisqu'on est à 45-90 degrés. Et vous voyez qu'en deux séances, sur cette atteinte à la fois palmaire et digitale, on obtient une extension complète tout à fait satisfaisante.
Quelle est la place des orthèses dans la maladie du Dupuytren? Eh bien, l'orthèse n'a pas d'intérêt sur, je dirais, de base sans qu'il y ait eu de traitement au préalable. On l'utilise, nous, dans les formes élastiques, c'est-à-dire les formes qui ont été traitées et pour lesquelles on arrive manuellement à redonner une extension complète du doigt. Mais dès qu'on lâche, en fait, cette tension sur le doigt, celui-ci se réfléchit, en fait, comme un élastique. Et donc, l'attelle va permettre, entre guillemets, de rigidifier et que tout se stabilise en position étendue. On a aussi décrit quelques diminutions des récidives chez les formes qui vraiment récidivent de manière trop rapide après aponevrotomie à l'aiguille. Et donc, ce sont chez ces deux types de patients qu'on va proposer de mettre une attelle qui est faite sur mesure dans la prise en charge de la maladie du Dupuytren. Les formes digitales, je reviens dessus juste pour vous dire que si vous commencez dans le traitement à l'aiguille, ne vous lancez pas dans un traitement d'un doigt en premier parce que ça reste plus compliqué et plus à risque. Donc, faites les formes palmaires, apprenez bien à déjà les gérer, puis si après vous arrivez à bien appréhender la technique, vous pourrez vous risquer, entre guillemets, à traiter des formes digitales. Là, vous avez une chirurgie qui avait été réalisée, vous voyez, avec, on voit typiquement la cicatrice en Z, et là, on a un traitement qui devrait être fait en palmaire parce qu'on voit qu'il y a une flexion de l'articulation MCP, mais surtout en digital parce que la majeure partie de la tension elle est sur cette interphalangienne proximale. Le maître mot quand on traite donc en digital avec l'aiguille, c'est qu'il faut rester modeste parce qu'il faut savoir s'arrêter à temps pour ne pas prendre des risques inconsidérés. Vous verrez peut-être qu'il y a des patients qui vous disent « Ah, mais vous pouvez encore faire mieux, j'en suis sûr. » Et ce qui m'est déjà arrivé, si vous dites « Bon, ok, on essaie un peu plus loin », c'est là que vous avez des complications type rupture de tendon ou alors que vous faites une plaie vasculaire, ce qui n'est pas très grave, entre guillemets, parce qu'il y a un hématome, mais une petite plaie nerveuse qui peut être plus embêtante. Donc, quand on traite à l'aiguille, il y a, je dirais, trois problématiques. La première, c'est la récidive après aponevrotomie à l'aiguille, une récidive qui est évaluée à 25 à 50% à 5 ans selon les séries, sachant qu'avec une chirurgie, vous avez aussi une récidive aux alentours de 20-30%. Nous, on souhaite et ce qu'on dit aux patients, c'est que c'est un traitement à la demande. C'est-à-dire, on leur dit, venez nous voir. Et puis, si vous nous dites, moi, je ne suis pas gêné dans la vie de tous les jours, même si pour nous, il y a une possibilité de traitement à l'aiguille, on ne traite pas. On propose un petit peu, on dit aux patients, vous venez comme faire un soin dentaire. Vous arrivez, on fait une anesthésie locale, on vous traite et vous repartez. Donc, bien sûr, vous ne partez pas avec la bouche de travers comme chez le dentiste, mais avec un doigt qui est un petit peu endormi. Et après, en ce qui concerne les risques de lésions nerveuses et vasculaires, elles sont exceptionnelles quand on traite dans la paume de la main. Elles sont un peu plus fréquentes quand on traite dans le doigt, notamment quand on a ces formes particulières avec des brides spiralées qui viennent engainer en fait le rameau nerveux. Comme on va placer l'aiguille dans la corde, là, juste à proximité, il se peut qu'il y ait des petites brèches donc du nerf qui vont entraîner une hypoesthésie de la pulpe du doigt qui reviendra, mais au bout de plusieurs mois. Et donc, là, je voulais juste faire une petite aparté sur notre façon de faire en tant que médecin et façon de faire des chirurgiens, parce qu'il y a des chirurgiens qui font l'aponevrotomie à l'aiguille. Hein, la ponevrotomie à l'aiguille fait partie du traité de chirurgie et donc il est reconnu comme traitement dans la maladie du Dupuytren, y compris pour le chirurgien. Ils n'utilisent pas les mêmes outils. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter un petit peu avec eux. On voit souvent qu'ils utilisent une aiguille, une IM verte, donc c'est-à-dire une 21 gauge et longue. Et souvent, comme ils sont au bloc opératoire, ils profitent de l'anesthésiste et ils se facilitent la tâche en lui disant « Tu me fais un bloc régional et moi, je peux travailler tranquillement. » Nous, on ne le souhaite pas. On souhaite que l'anesthésie soit locale parce que si on a la malchance, entre guillemets, d'irriter un petit peu le nerf, le patient ayant qu'une anesthésie locale va ressentir une décharge électrique, on va le savoir tout de suite et on va pouvoir déplacer l'aiguille et éviter les dommages. Alors que si vous avez une anesthésie régionale, le patient ne sent rien du tout et puis en fait, vous y allez gaiement et vous dilacérez le nerf.
Et puis le troisième problème, c'est l'apprentissage de la technique, parce que aujourd'hui, il faut un compagnonnage, il faut que vous ayez un praticien qui connaît bien la technique au-dessus de votre épaule, qui vous laisse, je dirais, l'aiguille, qui vous laisse la main progressivement, que vous soyez en sécurité et que vous appreniez dans de bonnes conditions cette technique. La chirurgie, rapidement, c'est quelque chose qui doit venir en deuxième intention, soit parce que vous avez des formes avec blocage articulaire. Et ça, on le voit malheureusement chez des patients qui ont un Dupuytren qui évolue depuis longtemps. Lorsque le doigt, l'articulation reste fléchie, il va y avoir une fibrose de la capsule articulaire. Et donc, on sait qu'avec le traitement à l'aiguille, on aura beau couper la corde aponevrotique, on n'aura aucune incidence sur l'articulation qui restera bloquée. Et ça, malheureusement, on dépasse le traitement à l'aiguille. Il faut passer la main au chirurgien. On propose aussi une chirurgie en cas de Dupuytren extensif avec des formes qui récidivent très rapidement. Dans ce cas-là, on dit aux patients, prenez l'avis d'un chirurgien et puis peut-être qu'une chirurgie avec greffe cutanée vous serait bénéfique. Justement, la chirurgie, donc c'est une aponevrectomie, c'est-à-dire qu'on ouvre, on enlève le tissu malade, on fait une fermeture avec des sutures en Z pour pas qu'elle tracte en fait la peau. Et puis, on peut également proposer, dans les formes entre guillemets dites sévères, de faire une aponevrectomie plus une greffe cutanée. Alors, vous vous rendez bien compte que ce type de chirurgie expose à des suites opératoires beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longues qu'un traitement à l'aiguille. Et puis, elles exposent également à quelques complications. On voit un nombre notable d'algodystrophies post-chirurgie, quelques troubles trophiques cutanés, des lésions nerveuses et vasculaires. Il n'est pas rare qu'on voit des patients avec des doigts qui soient ischémiés post-chirurgie, rupture tendineuse moindre que peut-être avec les traitements à l'aiguille, surtout si le traitement à l'aiguille est fait par un praticien qui n'est pas bien expérimenté, et on retrouve une incidence d'infection quand même de 10%. Voilà ce que donne une chirurgie. Donc, vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose que le traitement à l'aiguille. C'est entre guillemets un petit peu plus barbare, en tout cas beaucoup plus invasif. Il faut ouvrir, enlever tout le tissu aponevrotique malade et puis ensuite refermer avec ces fameuses cicatrices en Z. J'ai la chance d'avoir des recommandations depuis 2014 et qui nous conseillent donc en première intention de faire une aponevrotomie à l'aiguille, en deuxième intention de faire une dermofasciectomie, c'est-à-dire une chirurgie sans greffe, et enfin, lorsqu'on est dans une forme sévère, évoluée ou qui récidive, de faire la dermofasciectomie plus la greffe cutanée. Donc, en conclusion, la maladie du Dupuytren est une pathologie qui est fréquente, qu'il faut savoir reconnaître, surtout pour qu'elle soit adressée aux bonnes personnes et qu'on évite ce qu'on voit encore trop souvent, c'est-à-dire le passage médecin traitant chirurgien avec chirurgie faite pour les formes simples, qui sont pour moi une perte de chance pour le patient, parce que en fait, une main qui a été opérée, elle a été opérée comme un rachis qui a été opéré. Après, ça complique un petit peu les choses. Alors, on est quelques-uns à proposer un traitement par aponevrotomie à l'aiguille chez des patients qui ont été opérés, mais il y a peu de gens qui le font. Encore une fois, comme pour le rachis, il y a eu des modifications loco-régionales, l'anatomie a été changée, donc c'est des traitements après qui sont plus à risque. Il faut aujourd'hui avoir à l'esprit que l'aponevrotomie à l'aiguille est la pierre angulaire du traitement de la maladie du Dupuytren. Et puis, je vous invite à venir nous voir, à venir vous former, que ce soit à la Rivoisière ou dans nos cabinets respectifs, être derrière notre épaule, qu'on vous montre la technique. Il faut que cette technique perdure, qu'elle reste dans le giron de la rhumatologie, surtout qu'on ne revive pas ce qui s'est passé avec l'arthroscopie, par exemple, et que ce soit une technique qui soit passée aux mains des chirurgiens. Voilà, je pense que j'en ai fini. J'ai dû dépasser un tout petit peu mon temps, mais je suis ouvert à vos questions. Merci Jérémy. Effectivement, tu as dépassé quelques minutes, mais on est à peu près bon, donc c'est bien. J'ai déjà quelques questions. Je vais commencer par une question juste pour préciser ce point. L'aiguille que tu utilises, ce sont les aiguilles orange que l'on connaît dans le milieu médical, ou est-ce que ce sont des aiguilles spécifiques? Ce sont des aiguilles spécifiques en fait. L'aiguille orange qu'on utilise pour l'infiltration, je dirais une main par exemple, elle n'est pas biseautée pareil, elle est surtout plus longue. Donc ce sont des oranges courtes.
avec un bidou qui est particulier. J'ai mis les références sur la diapositive et je pourrais les redonner à ceux qui le souhaitent. Mais c'est une aiguille sur laquelle on a beaucoup travaillé et qui est intéressante par le fait qu'elle est plus courte, qu'elle ait un biseau particulier, donc elle augmente son côté tranchant. Et surtout, elle a la qualité d'être extrêmement résistante à toutes les forces de traction qu'on lui donne. Elle casse jamais. OK. Une question de Benoît qui te félicite et qui demande est-ce qu'il y a une cotation et quelle est la cotation pour ces actes? Alors, il y a une cotation qui est la même que la cotation chirurgicale. Alors, pas que la chirurgie avec ouverture, etc. En tout cas, il y a une cotation qui est reconnue. Alors, j'ai pu en il me semble que c'est MZMP, mais je ne vais pas dire de bêtises. En tout cas, il existe bien une cotation qu'on utilise à l'hôpital. Le problème en ville, on peut le faire aussi. Par contre, il faut se rapprocher surtout de votre système de cotation parce qu'il faut que vous forciez, entre guillemets, la cotation parce que sur un praticien lambda, en fait, elle est, entre guillemets, elle est pas accessible. Donc, c'est possible. Et surtout, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on cote. Après, c'est toujours pareil, hein, pour que le patient soit le mieux remboursé possible. On cote ce codage plus un strapping. Parce qu'à la fin, en fait, ça, j'en ai pas parlé. C'est vrai que j'aurais peut-être dû. À la fin du geste, donc, il y a un pansement simple, classique. Et après, on met un bandage. Enfin, on utilise des bandes élastiques qui vont permettre, en fait, d'une part, de rappeler au patient qu'il a été traité. Parce que souvent, ils vont tellement bien, ils sont tellement contents qu'ils ont envie, dès le lendemain, d'utiliser leurs mains et on leur dit surtout ne faites pas de travaux salissants, c'est-à-dire pendant 48-72 heures, on leur dit pas la main dans l'eau, pas de jardinage, évitez barre de métro et tout ce qui peut contaminer les choses. Et donc en leur mettant un pansement un peu plus conséquent, c'est-à-dire des bandes adhésives qui font le tour de la main et souvent une syndactylie quand on a traité le doigt, on se diminue les problèmes. D'accord. Et donc, on peut coter les deux actes. Donc, on cote, en fait, on va coter la pancréatectomie à l'aiguille, l'infiltration quand on a mis un corticoïde, plus le strapping. Réponse courte, comme parce qu'il y en a plusieurs, donc il faut être efficace. Comment se former en pratique? Est-ce qu'il y a un diplôme? Est-ce qu'il doit y avoir une formation pratique obligatoire? Est-ce que il y a à la fin un certificat qui permet de réaliser ces actes? Alors, réponse courte, comment se former? Soit on voit un praticien qui le fait, qui est sympa, à qui on s'entend bien, et puis on passe l'aiguille, on se forme comme ça. Sinon, on propose des formations, des séminaires à la Riboisière avec l'unité de la main. Donc, vous venez sur une semaine, vous regardez comment faire, on passe la main, et après, possibilité de revenir pour vous perfectionner. De diplôme en tant que tel, non, on ne remet pas de diplôme. En revanche, on vous rentre dans la base de données de gens qui ont été formés, qui savent faire. Et quand les patients nous disent, je suis dans telle région de la France et je voudrais accéder à cette technique, on est capable de dire, telle personne est formée. D'accord. Et donc, il y a un réseau. Donc, on s'adresse à toi directement. Oui, après, ou à la Riboisière, il y a les références de tous les médecins qui savent traiter à l'aiguille et puis on oriente. D'accord, si. Une autre question sur le traitement au laser. Alors, anecdotique, tout ça, je n'ai pas parlé de tout ce qui est radiothérapie aussi qu'on voit beaucoup en Allemagne, traitement laser, tout ça, ce sont des choses pour lesquelles les niveaux de preuve ne sont pas suffisants et en tout cas qu'on trouve que c'est un petit peu cher payé d'aller faire de la radiothérapie pour une maladie du Dupuytren. Ce qui se développe aujourd'hui, et peut-être que certains ont vu passer, c'est d'aller injecter du PRP ou des cellules adipeuses, des adipocytes, avec des résultats qui semblent intéressants. J'en ai pas l'expérience, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces techniques, y compris la collagénase, quand on les compare à la ponévrotomie à l'aiguille, il n'y a pas de supériorité, donc on reste avec cette technique. OK. Il y a Vincent Diebold qui dit que la codification c'est MJPB001, voilà, et que tu ne peux pas faire le strapping avec parce que normalement le pansement est inclus dans cette cotation. Alors après, Vincent connaît très bien ça dépend de, là ce que je vous parle de cette cotation, c'est ce qui peut être fait à l'hôpital et quand entre guillemets il triche pour avoir une cotation sur le maximum de choses. Après c'est vrai que ce qu'il est coté, nous, c'est le MJPB plus l'infiltration. Et après, le strapping peut être coté, dans ce cas-là, en tant que soin infirmier. D'accord. En termes d'assurance médicale, est-ce qu'il faut une assurance spécifique? Oui, il faut préciser à son assureur qu'on fait ce type d'acte avec un sur-risque et donc bien se mettre d'accord en lui disant « je fais ce type d'acte » et que être couvert, bien sûr. Est-ce qu'à un moment donné, ça peut éventuellement arriver à une cotation en HJJ?
s'il y a plusieurs aponevrotomies. Ça, c'est ce qui est fait à la Rivoisière avec les HDJ du Puitrain. Et donc, quand on a des multi-aponevrotomies à faire, on les cote en HDJ. Oui. On peut imaginer, il y a un intérêt de faire une évaluation ou un avis kiné ou des choses comme ça? Non, avis kiné, non. Par contre, ergo, oui. Surtout dans les multi-aponevrotomies, souvent, on y associe ergothérapeute avec une mise en place, une confection d'une orthèse. Parce que l'hôpital de jour est plutôt lié au nombre d'acteurs. Alors, il est lié. Moi, j'ai la même chose avec la section de poulie. Hein. L'hôpital de jour, en tout cas aujourd'hui, pour une section de poulie, il passe dans la mesure où on dit on a besoin. C'est un acte qui se fait dans un milieu, on va dire spécial, donc une salle d'interventionnel propre qui nécessite une anesthésie locale, mais qui pourrait être loco-régionale. En fait, on joue sur les mots. C'est comme ça que ça passe. Hein, j'ai vu avec le DRH avec l'utilisation d'un outil particulier. Et aujourd'hui, ça ne pose pas de problème pour que ça soit coté en HDJ. J'ai une petite anxiété quand même. On a eu la discussion, on a été à voir le DRH, etc. On a vu les gens qui faisaient le codage, ils nous ont dit aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Mais le faites-le, en fait, c'est, vu le volume que ça représente et tout ça, le risque qu'on ait un contrôle est suffisamment faible pour qu'on prenne ce risque. Et si, et puis là, c'est un peu gelé avec la situation actuelle de toute façon. Oui, tout à fait. Est-ce que je suis passé au travers de toutes les… Une question, est-ce qu'on recherche systématiquement un diabète? C'est-à-dire, est-ce que finalement, il y a des patients diabétiques qui vont faire plus de Dupuytren? Est-ce que le fait d'avoir un Dupuytren, ça fait que tu vas chercher le diabète qui aurait éventuellement pas été… Bon, je pose la question. Moi, je demande au patient s'il est diabétique. Après, c'est toujours pareil. Si on, entre guillemets, c'est parfois écrit sur leur visage qu'ils sont diabétiques de par leurs antécédents cardiaques ou nous, on a une population d'Afrique du Nord souvent qui ont une prévalence de diabète importante. Donc, on le voit. Et c'est vrai que… Alors, pour le coup, si j'ai un patient qui a une maladie de Dupuytren avec plusieurs doigts touchés, souvent, il y a un facteur de risque type diabète. La maladie de Dupuytren, entre guillemets, dite de base, ils vont faire des formes simples, plus évoluées, généralement sur un ou deux doigts. Mais s'il y a les deux mains avec trois doigts sur chaque main, on se dit qu'il y a probablement quelque chose. Donc, on peut être amené à dire est-ce qu'il n'y a pas un diabète et faire la recherche, ça n'a pas été fait. Mais est-ce que je fais un bilan systématique à tout patient qui vient avec une hémoglobine glyquée et une glycémie à jeun? Non. Avant-dernière question, quid de la colchicine? Pas d'efficacité démontrée. Je rajoute la dernière question. Tu as parlé de la maladie d'Ehlers-Danlos, de la maladie de la Peyronie. En gros, c'est plus pour la compréhension des choses, mais l'élément traumatique est quand même relativement souvent présent. Donc, globalement, ça ne va pas influencer ton traitement s'il y a une atteinte de différents endroits. Ah non, c'est juste pour ne pas passer, parce que surtout la maladie de la Peyronie, les gens n'osent pas nous en parler. Et aujourd'hui, il y a des traitements. Bon, le traitement à l'aiguille se fait dans la maladie de la Peyronie. Alors moi, je ne suis pas formé, mais il y en a qui le font. Je sais que le Xiapex est fait peut-être un peu plus, donc la collagénase dans la maladie de la Peyronie. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est assez… impressionnant. C'est-à-dire que le Xiapex, c'est-à-dire vous injectez de la collagénase dans la corde, vous laissez grosso modo 24 heures et le lendemain, on fait le mécanique. Donc, sur la maladie du Puitrain, on tire sur le doigt et ça casse. Et donc, il y a un énorme hématome qui apparaît. Donc, c'est un peu impressionnant et je pense que mettre du Xiapex sur une maladie de la Peyronie, ça devrait l'être d'autant plus. Et je ne sais plus la fin, j'ai perdu le fil. Oui, pour la maladie de l'Ehlers-Danlos, en fait, si c'est douloureux, ce qui marche surtout, comme on ne peut pas faire de traction, on n'a pas ce qu'on a avec la main, c'est le fait de dilacérer le nodule et de mettre de la cortisone dedans. Et de prescrire des semelles? Et bien sûr, prescrire des semelles pour ne pas avoir l'appui sur le nodule qui peut être douloureux. Ok, écoute, je pense que j'ai épuisé toutes les questions en restant dans un timing qui est limité. Merci beaucoup, c'était vraiment très clair. Et je pense que ça a particulièrement intéressé toutes les personnes qui t'ont écouté. Donc encore merci, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain séminaire du COFER. Bon après-midi à tous. Bon après-midi à tous. Au revoir.